Est-ce que Jacques Sauveur, Jean, alors, on me dit que pour auditeur qui ne connaît pas, moi-même, j'ai moi, autorité et, pour me poser des questions. Et parce que nous bien en pile. Tout à fait. Nous bien longtemps. Tout à fait. Et je n'ai pas peur si je me pose une question de M. de Rapoint, il va arriver. Est-ce que ça n'a pas jamais arrivé que Jacques Sauveur Jean, dans les couloirs du pouvoir, j'en dis lié, est-ce que ça n'a pas jamais arrivé que Jacques Sauveur bénéficiait de montant quelconque qui sortit des fonds pétro-caribé? Qui est-ce qui connaît? Tout le monde capable de bénéficier d'un montant quelconque qui sortit des fonds pétro-caribé? Le peuple a bénéficié d'un montant quelconque sorti du fonds pétro-caribé. Puisque quand on a un fonds, le fonds peut être destiné à deux objectifs. Si l'objectif du fonds, c'est pour investir, ce fonds-là va reproduire la prospérité, la richesse. Si la destination de ce fonds, c'est de dépenser, dépenser et investir, c'est deux fermes différents. Nous, on n'y a pas qu'à parler trop, non? Et même qui t'a pris un paquet de laptop, yo. Et qui t'a pris 400 gouttes chaque mois, yo. Et qui t'a pris un maman chéri, yo. Et qui t'a pris tout programme, et qui n'a pas bénéficié d'un fonds quelconque de Pétro-Caribé, de la gouvernance. Donc l'État. Est-ce que bagaille ça pour pas mener non, labyrinthe, sénateur? Ce que je veux dire par là, ça me le dit par là. Et je dis, il y a un peu de monde qui dit que le mouvement ça, son mouvement qui n'est pas remettre. Comment tu as fait pas remettre là? Pas un mouvement politique. Les Haïtiens ignorent toujours qu'en politique, on peut être architecte, on peut être ingénieur architecte, on peut être aussi contremaître, on peut être aussi des manœuvres. Mmh. Ouvriers. Des ouvriers. Mmh. Ouais, dans l'expression, là, carrément, c'est manœuvre. Donc cela veut dire qu'on ignore complètement qu'il y a des penseurs dans ce pays. Et que leur parler, c'est ça que fait l'autre jour, ma fois interview dans notre station sœur, ma fait nèg la comprendre, sacré l'on politicien et sacré l'on artiste. On parle des artistes comme une piste où les idées prennent naissance. De même qu'on a tendance à parler des universitaires, ou du moins le carrefour où les idées prennent forme. Entre prennent forme et prennent naissance, ces architectes politiques, il faut les respecter dans ce pays. Comment le baguette maintenant? Alors ça qui veut, sénateur, et tout à l'heure, je vais dire, tout à l'heure, mais comme si sénateur m'a parlé, alors mais ça me l'a dit. Son mouvement que mon observé, qui sortit, qui prend naissance, peut-être quelque part, mais qui parle visible à partir des réseaux sociaux. Bon, okay? Bon, font exemple avant musicalement, parce que c'est musicien mieux. Lorsqu'on le fond musique, premier sac intéressant, c'est l'introduction musique. Là. Comment introduire les sons, l'harmonie, la mélodie, l'introduction. Quand le maestro a fait 3, 4. Mais maintenant, après introduction, après, sometimes, gon arrêt, ou du moins, gon façon où agencer lead vocal là. Et après, on parle de chorale là. Et l'offre de chorale là, on parle de groove là. Ça veut dire que bon format pour introduire dans la société certaines choses. Si la musique est là de combiner les sons de manière agréable à l'oreille, la politique aussi, c'est là de combiner les actions, les gens de manière agréable aux yeux de la société. Donc, trouver l'agréabilité dans la politique, ça prend exactement ce qu'on prend là. Il n'y a pas qu'à dire un mouvement qui prend naissance, un réveil national, pas prend naissance de nulle part. D'où est-ce qu'on monde est? Non. Alors, pas ça, je ne vais pas dire ça. Moi-même, je vais dire que lors observer l'ampleur que le mouvement prend dans une période de temps donné, il y a une question qu'on est capable de poser tête. Et pour me retourner sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'on bataille qu'a fait entre X et Y. À vouloir récupérer des investissements qui a fait. Pourquoi même voulez arriver à voir sous question de récupération politique et autres. Ça, c'est ça, on dit tout à fait normal. Si monsieur c'est politique, il a fait, c'est tout à fait normal. Il y a un dossier qu'il a, il a pu utiliser le dossier contre adversaire politique et automatique. Mais on a parlé par exemple de fonds pétro-caribé, côté que il y a effectivement un pile d'argent qui est dépensé. Donc, un secteur qui dit 3,8, un secteur qui dit que, attention, il ne pas un du monde, c'est 1,7, 1,8 milliards que lié. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires qui ont fait. Ils disent attention, les gens qui ont financé le mouvement, ils sont capables de prendre devant pour empêcher qu'ils arrivent sur les tout. Il y a des gens qui disent attention, il faut que la lumière soit faite sur la question. Et en grande majorité, en pile
élément dans la société, on était quoi que l'essentiel aujourd'hui, c'est pas à récupérer le mouvement, c'est pas à utiliser, mais au moins chercher, faire lumière jaillir pour connaître qui sont les vrais coupables, qui sont les principaux concernés par le détournement des fonds pétro-caribéens, sénateur. Ou pas quelqu'un d'autre choix que pour rentrer dans l'espace amnistié pour capable comprendre que les prochains jours captrice si on ne pas comprendre que fogon étape de forgiveness de pardon quelque part parce que on jeune tout le monde coupable on jeune tout le monde coupable gain monde même coupable parce que il t'a fait silence donc sentiment ça ou prendre qui va pour le ressentir non date qui saute passer là les 6 7 8 ou gado ouais toute une action comme ta c'était en chorale maestro a compté 3 4 et puis opposer des actions dans action qui était des brutalités mais regardez bien pour ouais son action en 3 étapes respectée première étape là deuxième étape là troisième étape la première fois en matière de sécurité moi que une opération déroulée aussi bien c'est pour dire non à un système c'est pour dire non c'est pour répondre la chorale ensemble en cœur à une musique introduite par des gens qui sont des leads ou du moins des maestros. Donc, une constatation qui pour faite, pour sa fête, il faut des yeux pour qu'à percer le mystère de la corruption, pour que écouter sous pas percer le mystère ça, ou pas qu'à parler de développement. Donc, on a fait un travail, et il y a eu un travail qui a été fait par des gens qui sont considérés, qui doivent être considérés comme des architectes, des gens qui, dans leur salle fermée, dans la soirée, ont pris le temps de en feuille blanc et puis qu'on y a commencé faire. Avec en plume en créant à partir d'un point pour construire pour bâtir tout un système. Maintenant, qui est d'abord même sénateur, qu'est-ce qui concerne effectivement par le détournement des fonds pétro-caribéens? Le peuple haïtien. Et ça que moi t'as toujours souhaité, ça que m'tape toujours rêvé, ça que m'tape toujours travaillé pour lire, c'était un réveil national. Pas besoin de dire c'est moi, ni c'est Georges, ni c'est Pierre. Une fois que la mission accomplie, le nec qui voulait venir accomplir la mission a quitté l'espace là pour la next level. Parce que c'est un long parcours. Il y a un point de départ et doit comprendre un point d'arrivée. Parce que faut que ça corrige, faut que ça change, faut que les fini. Maintenant, ou qu'à joindre, voyons par exemple, ma sur réseaux sociaux, il y a une réunion, Réginal Boulos, t'as fait avec Adèle Bélizère, Abdi, que lui-même, il y a un dossier. J'ai reçu un appel de Réginal Boulos le lendemain, ou du moins d'une interview que j'ai réalisée avec Valérie Numa, qui m'a dit, et à part dit, c'est moi qui mettre pays, qui crase le pays, me dit, monsieur, par contre, sous bien comprendre, là, on est c'est capitaine, ou non navire, s'il crash. Ou pas qu'à dire pas l'homme chauffeur, et puis subitement, monsieur prend la rue. Le lendemain, il prend la rue, qu'on y a eu sur le pire de ce peuple-là. Parce que je réalisais, s'il pas prend responsabilité, la paye pour casser. Parce que, je ne parle pas profond avant. Moi-même, personnellement, je suis des gens que je côtoie, je suis des gens que je parle avec eux, et je me rends compte que un réveil national, une conscience nationale qui réveille, ni pour les victimes, ni, bon, je parle plus loin avant, ni bourreaux, ni opprimés, tout le monde réalise, hey, il faut que les choses changent. Donc, ça veut dire qu'on raison, un réveil national. Et si Réginal Boulos a trouvé moyen à demander des comptes, cela veut dire, non, nous sommes avec tête. Nous avons toujours entendu Réginal Boulos dans l'interview dans la radio. Il y a entendu la voix dans la métropole, côté que l'on expliqué que la politique, la gouvernance, c'est une maison avec des poutres. Même si nous avons suivi tout le temps dans la déclaration. Après, l'on entendu le truc, il dit, c'est pas moi qui viens dans les affaires haïtiennes. C'est à chaque fois que le pays est en danger, on m'appelle. M'a suivi responsabilité, monsieur, ça. Non. Le malheur de la République et responsabilité le tout à chaque fois que la République est en danger. Et puis, je commence à poser cette question. Je me dis, mais qui est-il? D'où vient-il? Comment le faire arriver là? Ça qu'a fait là? Pour qui ça s'est lié? Et puis, je me pose cette question. Et puis, je me dis, mais il faut me prendre la rue. Je me dis, il faut me prendre la rue. Mais si mal côté, il faut me dire, il faut le prendre la rue pour le prendre responsabilité. Là, je me dis, ça m'a venu dire là, à pas le prendre la rue. On ne peut pas poser, non. Parce que je ne peux pas comprendre prendre la rue. Et puis, on va retourner après, on va l'observer posant. Et puis, on n'a pas essayé d'approfondir.
questions ou davantage. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous ce matin, le sénateur Jacques Sauvergeon. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Dortelis Family. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre patience. Le sénateur Jacques Sauvergeon est notre invité. Aujourd'hui, avec invité à NAP, brasser l'idée, n'a essayé de comprendre la réalité pays d'Haïti. Même moi, il y a un auditeur qui a posé des questions, qui a posé des questions pour moi, là, sénateur. Et il y a plusieurs questions. Et il y en a d'un haut, un auditeur qui dit, pour qui sa majorité officielle, nous y a, c'est à l'étranger, il y a le soigné, c'est à l'étranger, madame a accouché. Peut-être allusion que l'auditeur en fait à si anecdote ou t'as partagé à l'arrivée de mon prince. Mm-hmm. Regardez, l'auditeur a posé une question sur Belgrade, et pas seulement officiel, pour ça tout le monde est un village maintenant. Ça veut dire que nous pas parler de monde comme ça, vous dit que ça me fait du rivouvan. Me fait durer à même bouvane. Ça veut dire que c'est normal, on est né pour grandir, puis vieillir, puis mourir, et puis on est tous des terriens. On habite la terre, on a un seul Dieu. Donc cette histoire de frontière, dans la tête, on est tant qu'on n'est pas officiel, ni c'est pas citoyen, ni disons, on vous fait petit tout côté. C'est pas une raison politique pour ça. Gagné un autre auditeur qui dit, pour nous avant de poser une question, ça pour les sénateurs. Comme Zami, président Matéli, est-ce que j'en bats le conseil pour ta contrôler ça l'abdi pour ne pas mettre l'huile sous du feu? Aïe, aïe, aïe. Ti monsieur, ça, son ti monsieur qui partant des mounes. Son ti monsieur qui a un gros problème. Parce que dans l'entourage, li, depuis le don bagaille, tout le monde va être bravo. Donc si vous ne pas bravo, tout de suite, vous traitez de traite. Si vous dites, mon cher, ça va faire là, quand vous parlez là, ou tu as fait mieux, oui. Tout le monde m'a dans la joue, attendre. Et petit bonhomme qui a une mission, qui a marché, dit ça, je vais te traiter de traite. De dire parce que pour lui-même, le fait que je ne pas battre bravo, même j'avais le cap marché dit tête, nous c'est cher, hop, mais cher, hop, comme il dit, t'as rien, mais je vais tout avec, cap dit, mais c'est cher, hop, moi-même, Jacques Sauvergeon. Et puis, on est à la sous, gain malheur, ou dit tant de monsieur, ou à côté de bras là, faut faire différence, oui, ça m'a fait à la par élection, non? Élection, c'est pas ça, les noms, comprendre qu'on addiction pour réélection, comprendre qu'on addiction pour pouvoir, mais maman, nous, on est à tête, non? Et ça qu'a fait là, c'est provocation, lié. C'est pas élection. Élection faite au matin. Le bureau a ouvert de 8h à 4h de l'après-midi. Oui. Et puis, on va voir que vous courez derrière. Parce qu'au fond, Michel, c'est un homme, c'est un ami. Son nez que je connais depuis 35 ans, son, même ses amis, je ne peux pas revenir. Même si Michel Tava en dedans, il y a un cercueil, on va jouer moi dans l'enterrement. S'il mourra avant. Ses amis, moi. Pour qu'il sache, pour me dire, pour. Je suis toujours avec elle. Dans toute bagaille que lié. Gardez-le. Bon, le Michel a quitté le pouvoir en 27 février. Moi, Michel, quand on a parlé, nous deux seuls, nous qu'on a cherché au monde pour nous faire blague, nous va venir. Moi, avec on a quitté en dernier. C'est pour me dire, quelle que soit la situation, la donne, moi, toujours prêt à comprendre et à supporter. Mais son petit. On va avoir l'impression aujourd'hui, hein, et en pleurs, que question on prend là, innocent à payer pour coupable ou bien innocent sur route pour payer pour coupable. Mon cher, il n'y a pas d'innocent. C'est ça qu'on aurait pas le proverbe sorti à la part de mise. Ils ont bande coupable net sur toute l'allée. Il y a un qui pas d'accord. Il y a rien doit pas d'accord. Mais c'est le fait qu'ils pas d'accord même qui fait coupable. Parce que je parle de ça qui passe. Non, on prend le cas des hôtels par exemple. Que le président dit que le déficit c'est mais l'argent. Mais nous on est d'accord. Il dit que c'est l'argent. Il dit que c'est l'argent. L'argent était volé et l'argent Petro-Caribé que le volé mais ça le fait avec. Alors très bien on connaît que gain des compagnies c'est des multinationales que vous voyez. Donc est-ce que dans le cas ça on pas risqué fait du tort à des entrepreneurs? Oui, je m'explique un petit bagage. C'est monsieur seul. On ne pas faire politique à question. Mais ma parole doit avoir. C'est monsieur seul qui peut dire. N'a rien doit désister. Mais corruption, c'est ça que fait les corruptions. Son bagaille tordier. C'est pour bagaille droite. Ou qu'à venir avec deux, quatre. Non, sénateur, écoutez. Attends. Ou c'est un entrepreneur. Oui. Ou entrepreneur agricole. Oui. Ou bien longtemps, ou travaille, ou chanter, ou fait corbe. Oui. Ah ouais? Oui. On imagine aujourd'hui, on nous a dit que ah, Jacques, c'est de manger l'argent au Petro-Caribé tout. Oui. On dirige vers l'entreprise LIA. Allons voir. Monsieur t'a dit par exemple, et dans la liste de bail il t'a dit, et puis il dit la ferme agricole de Mirande, m'te bail. Même abdou un petit bagaille.
c'est lui seul qui a expliqué. C'est lui seul qui a expliqué dans quel contexte que le dit. Parce que. Non, mais elle dit déjà, elle dit que bon, c'était pour faire mon riz. Okay. Mais écoute, quand c'est le peuple qui est dans la rue, il seulement prend message là de façon superficielle. Mm-hmm. Il prend au premier degré et puis avec toutes les conséquences que ça a. Ça qui parle fait. Parce que, ouais, pas de monde qui vient expliquer qui est Michel Martelly aujourd'hui. Michel Martelly, pas un que monde qui a présenté à la société. Michel Martelly présenté tête en tant que tel, il a accepté en tant que tel. Il est le seul à pouvoir faire ça, le fait, j'en le fais. Son charisme n'est pas transpirable, même à sa femme ou à ses enfants. Ça veut dire que Michel sont éléments uniques et Michel sont exceptions, point final. Mais maintenant, en tant que tel, ou pas qu'à vouloir pour juger, dans le moment qu'on voulait juger le mal là, pendant qu'on a ri à plaisanterie que l'a fait, c'est un élément extrêmement fragile parce qu'il existait à double tranchant. Michel va quand même défendre tête dans sa là. Et pourtant, moi, je m'explique, je défends. Je vais expliquer aux gens et pour qui ça. Qui est le monde qui parle de Michel? Tout le monde connaît Michel qui a dit ça vrai en plaisanterie. Mais tout le monde connaît tout qui est sérieux. Regardez le saut de président. C'est pendant que tu as fait président qu'il dit, regardez bien qui est-ce qui est Michel. C'est pendant que tu as fait président qu'il dit, je suis le président du grand palais, tout palais national. Maintenant, il est le président réel. Donc, son nègre qui fonctionnait à double tranchant. Et c'est ça que fait Jodia, la PC est sortie dans la situation hein, en disant que son plaisanterie. Mais le cas sérieux tout. Donc là, là où il vient en face ça, c'est pas dit pour dire que le sérieux ou bien le pas sérieux. Non, ou menons enquête pour qu'on ait en profondeur pour qu'on ait ce qu'est le sérieux. Puisque le problème haïtien n'est pas un problème simple. La classe possédante de ce pays, les éléments, le secteur privé des affaires de ce pays, à chaque fois qu'on parle d'Haïti, regardez bien pour 6-7-8, le président a convoqué en premier lieu le secteur privé des affaires. Regardez bien pour au Parlement, s'il faut voter, le secteur privé des affaires. Regardez bien pour élection, pour faire conseil électoral, il faut savoir ce que pense le secteur privé des affaires. Ce secteur privé des affaires, pas qu'à dire si je dis à ça passer mal, pour dire parlons mes noms. Donc Michel Martelly, maintenant que je connais, il a droit faire parce que lui-même tout, on connaît que il en a marre de certaines choses. Je défends. Je ne veux pas être l'avocat du diable. Bon, vous dit tout à l'heure, vous dit pour vous défendre. Je quand même, c'est pas pour à vouloir défendre le diable que m'ab dit, c'est parce que m'ab dit vrai. Mm-hmm. Michel, pour qu'on parle, gagner de bagaille là où elle fait, pas courir pour un jouet. Parce que c'est un type assez profond. Mais qui a une chance que la société accepte le servi à un couteau de bon amène. C'est seul Michel Martelly qui a fait ça, le fait ou je le fais. Ou à cas où je monte dans la radio, je ne parle pas la bim de bagaille. Tout de suite, moi, avant nos pénitentiaires, ou même qui t'en dit là, ils mettent en prison. Moi, même qui dit là, ils mettent en prison. Or, si Michel vient à le dire, il fait, société à battre bravo. C'est ça que fait qu'on l'a interview, on t'a dit ça, on est capable de poser une question, on a dit, voilà, pas Michel, me dit, c'est à vous de savoir quel nom accrocher sur son chapeau. Acceptable, intouchable, indésirable, incontournable, agréable. Ce n'est pas moi. Parce que au fond, Michel est jaloux là. Et c'est un élément à surveiller parce que au fond, pas rien dit que le pape dit, on bagaille la donne. Donc, quand il a dit, il a fait cette plaisanterie. Quand auditeur qui dit, ça dit, pas juste. Je ne sais pas si auditeur a dit. Faut dit, ça dit, ça lui-même, il a dit, pour le comparer entre ça, il est juste et ça, il est pas juste. Moi-même, ça m'a pris les justes. Michel, son n'est que moi-même, si j'ai une étude que je fais dans la vie, et j'ai un diplôme, si j'ai un diplôme que je fais dans la vie, que je mets dans la tête, que je mets dans la tête, c'est le diplôme d'études de Michel Martelly. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'ai étudié. De M à Y. Je compte qui j'en ai les plaies et je compte camper. Tout le monde compte passer ma velle. Son nègre ensemble, nous faisons toute vie, nous, à chanter nos mêmes micros, à vivre. Donc, je observe, je étudie, je comprends. Michel Martelly, pas font déclaration comme ça, sans le parler, fait, on remarque. Et que nous fatiguons, quoi que toute bagaille se joue, toutes ces banalités. Il faut que nous allions pour mener enquête et poser question sur les affaires de ce secteur privé des affaires. Mmh. Auditeur qui dit que alors auditeur a dit ça dit pas correct, n'est pas juste parce que il pensait que Martelly te voulait faire une plaisanterie. Auditeur a voulu dire, pense que sur son gouvernement il y avait la stabilité. Et les étrangers pouvaient venir investir. Oui, monsieur a répété. Michel,
Parce que c'est ça Michel dit. C'est un fan de Michel Martelly. Il a répété ça, sa leader a dit. Mais moi-même, m'a dit, moi-même, dans l'analyse, pam, point de vue pam, m'a bail point de vue pam. Donc, point de vue pam, je ne dois pas aller dans ce sens, monsieur, mais ça n'a pas dit que ni monsieur détenteur de la vraie vérité, ni moi-même tout, détenteur de la vraie vérité. Mais à nous exposer ça, n'a dit à la société, à mon cap gardé, après, que monsieur, je dois trouver pas right, mais qu'on s'attend, en plus, le monde doit trouver right. Parce que Michel n'a pas dit rien, Michel n'a pas fait rien sans le pas balancer. Michel n'a pas fait rien par hasard. Même s'il sous les fêtes. Michel Martelly va jamais sous. Ah bon? On va même expliquer. Nous disons que nous faisons au si on n'est que moins étudié, si on diplôme, moi j'ai envie de le diplôme de Michel Martelly. Mais est-ce qu'on ne peut pas graver la situation? On ne peut pas graver. J'en parlais là. Non, rien n'est plus beau que le vrai. Mais le charme même de la vérité, c'est quand c'est vrai. Vous dites Michel va jamais sous? Michel va jamais sous. Michel va jamais sous. Michel va jamais Yves. Michel va jamais dans l'état de perte de connaissance. Michel, mon frère. C'est un nègre pour moun considérer, même là où elle sourit et même là où elle est mauvais. Michel, pas un petit monde petit. Michel, ouais pour Kazek. Pour Kazek, et pas tiens fort pour faire. Bon, nègre la président, puis moi après ça avec. Faut moun suspendre sous-estimer les valeurs de ce pays. Michel Martelly est une valeur sûre. Il faut qu'on cesse de le sous-estimer. Quand on est allé au rive dans le ciel, il y aurait la bon gros bon Dieu, il a dit le pas de gain placé là. M'a même occupé. On nous fait mes parenthèses ça et on fait mes parenthèses ça parce qu'on fait des révélations là que surprenantes parce que là même c'est la première fois que nous on dit que Michel Martelly pas jamais compte sous non et même dans le carnaval il va jamais sous tout dans bal il va jamais sous jamais et donc c'est semblant que le compte et pas même semblant où les monde fait semblant c'est comme d'ad ou remonta avec Michel a marché ou pas craindre que lui relé là et il démentit soit dit Michel il dit ça Jacques dit en pas quoi on compte sous bon gens pas comme ça Michel a vienne là l'a dit mon cher ou pas doit parce que moi j'étais président il t'a dit que mon a prêté les intentions par rapport à des juges que te former lui même il pas de aucun ami juge. C'est le monde qui devrait boire quoi qui désamine. Monsieur Abvin là, la reproche mon grand bagage. Mon chou, ou pas qu'à blaguer, ou pas qu'à mettre dehors comme ça. Men. C'est vous seul que je dois comprendre comme ça. Parce que Michel pas ouvert tout le monde pour comprendre. Non, mais vous osez dire ça. Michel pas ouvert ventre, ni col, ni cœur, n'importe le monde pour comprendre. Michel avait une relation à part. Qui relation est-ce? Ah, je ne sais pas comment dire. Mon pam, Zamim. Quelqu'un que moi-même pas jamais comme si m'dadou ouais pour savoir monde qui a parlé de Michel de Michel ce type de nèg ou pas parler le mal ou pas parler le bien ou pas parler le mal ou dans chaud parler le bien ou dans chaud ah même nous parler le mal là même nous parler le bien son l'autre profil son artiste qui gon moi ne pas comprendre ça crée l'existence d'un homme comme Michel Martelly dans la politique haïtienne il a pas saisi ouais ça. Ah ouais, c'est vrai ça. Michel a des bagailles que l'accompli, que le voulait accompli, que l'a dit, que l'a fait. C'est pour le bien de ce pays. Ok. On fait mes parenthèses ça pour nous tourner sur. Donc, je dis, on a un califouchon, on a voté, on a contrôlé le gouvernement et on a fait durer. Mon cher. Je ne vais pas devant nous, nous avons 5 minutes pour ça. Ok. Mon cher Mabdou Sakrivé. Tu vois le pays, moi-même, le jour où tu as un pouvoir réel, là même. Il faut que tu aies une production. Un ministère à la production nationale qui décerné comme qui est pour mission. Mon ministère de l'agriculture déjà. Non, le ministère de l'agriculture, on parle de la production agricole. On parle de la production avicole. On parle, okay. Je parle de la production nationale. Un ministère qui est capable de comprendre, qui gens identifier différentes filières de production que nous gagnons. La production touristique, la production artistique, la production artisanale, la production agricole, la production intellectuelle. Donc c'est comme surtout dit que pour un paquet de ministères fusionnés. Regardez, il n'y a pas volote, il n'y a pas pris grand et plus sérieux. Parce que sous pas qu'on sort vous, qui j'en pourrais le faire, font créer un marché. C'est à partir de ce vous qu'on a dit, qui ça nous vaut. Même Fatrana produit qui s'allie. Il y a des bagages que m'a goûté pour yo là. Avec mes yeux de prophète, il y a des gens qui pourquoi même ça moi yo. Mais moi-même, je connais que je me bien fixé sur des points, côté que depuis au pas fait, automatiquement Haïti vous prête pour débloquer. Mais pendant qu'on parle de production nationale, on va parler de durée roulante, tout, même quoi, il y a une durée qui sortit à l'étranger. Ah non, honnête, l'autre jour, m'attendais le président Jovenel qui a fait un discours qui dit que les productions nationales ont tellement de gras. Je vais commander 12 000 tonnes de riz pendant que le dépôt me charge à du riz. Ça me dit là.
On lui commande 12 000 tonnes pendant que dépôt. Oui, non, mais, non, dépôt la gagne. Bon, dépôt la Thibonite. Même qu'à comprendre que s'il ne pense pas à vous. Non, mais attendez, comment il ne fait pas penser à moi? Comment il fait commander du riz sans le parler? Attends-moi, sénateur, attends-moi. Ou qu'à un problème que Paul a été là, on prend plus le temps pour liquider. Et puis c'est. Et comment il fait l'acheter le Vietnam avec l'argent payé? Mais est-ce que ou même on a gagné suffisamment pour. Quantité que manquait, elle a pris le Vietnam. Mais il n'y a pas de prendre le Vietnam, et puis le final, quand il n'y a pas de là. De quel encouragement que l'a parlé, de qui production nationale que l'a parlé. Si monsieur, ça, son petit monsieur, je ne vais pas son petit monsieur qui a fait une bande des ordres à PIA. De... Jovenel. Ah bon? Son petit monsieur qui a fait une bande des ordres et ceci. Non, quand même, devant cette monde. Non, regardez. Ouais, moi-même, pas un monde. Ben, un monde dans le pays, ça. Ah, sauf Michel Mantelli. Non, bah, regardez, Michel, son l'autre raison, tout à fait. C'est un allié naturel. Je ne vais pas défendre Michel en tant que moun, ce n'est pas ça. Je parle de mon bagage qui est tout à fait réel et naturel. Mais je vais vous arriver, quoi regardez bien le président Jovenel dans ses dires et dans ses actes. C'est quand on est cap chanter la nuit et puis la journée sur l'autre bagage. Moi-même, il n'y a pas venir pour me sacrer. Comment on fait à l'acheter 12 000 tonnes de riz pendant que tout dépôt du riz, tout producteur du riz en difficulté dans le pays? Ordinairement, je vais vous arriver. On travaille en profondeur pour faire dans le Parlement, pour loyaux. Comment faire, dit mon co-président, au nom d'un discours de production nationale, que l'exécutif jusqu'à présent pour une loi qui expliquait quelles sont les priorités en matière d'agriculture de la production nationale pour permettre que une majorité dans le Parlement pour voter et pour mettre en pratique. Comment faire pour acheter 12 000 tonnes de riz en disant, en annonçant devant les étrangers que le pays y a un problème agriculture et nous avons entre temps tout dépôt. Comme auditeur qui n'est pas d'accord avec vous, vos questions, d'accord avec nous. Le peuple haïtien n'a pas de dit même soir m'a dit. Parce que tout le monde a un problème avec la politique, il y a un grand problème. Mon frère parlait. Et tout le monde a même tout un grand bagaille qui fait même. Jacques, le dit saldi, c'est saldi. Même auditeur qui dit que c'est le démon du siècle qui se manifeste dans ce type de dirigeants comme Martelly, Trump, comme d'autres dirigeants corrompus à travers le monde. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, il y a des dirigeants. Je ne vais pas le courir à Trump parce que je ne suis pas américain, je ne suis pas dans la politique américaine. Mais il y a certains de nos dirigeants qui se comportent comme des commandeurs, qui savent que tu dois lever le fouet là-haut et pas frapper le doigt fort. Mais ils se comportent comme des mauvais commandeurs. Non seulement ils levent le fouet là-haut et ils frappent fort sur le dos, sur le cou du peuple haïtien. Et nous, quand on retourne là, son petite question, nous songez La Fontaine, t'es un Fab choisi qui te parlait de la raison du plus fort est toujours la meilleure, l'histoire du loup et de l'agneau. Mais le dieu du loup ne peut pas être le dieu de l'agneau. En nous, honnête avec tête, nous, ça que nous comprenons dans la phrase et dans la Fab choisi ça, c'est que le loup, l'agneau n'a jamais fait. Rébellé. Ça veut dire de A à Z, et puis au jour, sans autre forme de procès, le loup l'emporta et puis il déchirait. Ça veut dire que le peuple haïtien se comporte comme un peuple d'agneau qui demandait à ce que vous réveillez pour que vous suspendez quitter dirigeant nous, menez à la boucherie, no matter what, quelle qu'en soit la tangente, à la fin de la journée, le peuple va être le seul et le principal victime.